Eh bien, salut à tous, c'est Arpas Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment très très spéciale. Aujourd'hui, on va pouvoir enfin tester le taxi. Donc, Gardien Pegasus, on va le commander tout de suite. $200. Donc, pour ceux qui se demandent comment débloquer le taxi, il faut tout simplement avoir des points d'arène. Et donc, en ayant 25 rangs d'AP. Donc de points d'arène, vous débloquerez le véhicule Pegasus Taxi gratuitement. Donc ce taxi a un truc en particulier, je vais pas vous spoil, vous le verrez de vos propres yeux. Et je trouve vraiment qu'il est assez stylé. Donc la vidéo, alors que je fais cette vidéo, on est tout simplement au mois de décembre. Donc vous, elle sortira un peu plus tard parce que je pense que je vais faire les véhicules Pegasus presque tous en même temps. Donc je dis enfin le taxi, ça tombe, et vous allez me dire ouais mais après un mois, deux mois tu te fous de notre gueule. Non, ne vous inquiétez pas, je fais la vidéo en décembre, je vous rassure. Donc la date de cette vidéo normalement sera en janvier, voilà, janvier, février, on verra bien. Donc le taxi il est là d'après la carte. Il est où là? Ah, le voilà. Donc vous voyez qu'il est vraiment assez stylé. Donc on peut pas le custom, hein, d'accord. Donc il est en rouge et noir mat, j'ai l'impression, avec une plaque noire avec des roues lowrider. Il est assez stylé, hein, j'ai rien à dire. Il est vraiment... Il est chiant. Bon, un véhicule gratuit, franchement, c'est pas mal. Je m'attendais à plus dégueulasse. Voilà. Donc, au rank 25 d'Arena War, vous débloquerez le taxi gratuitement, tout simplement. Ok. Le niveau transmission, il a l'air d'envoyer. Il a les phares Xénon. Il est vraiment custom, hein. Il n'y a pas que le skin. Je sais pas si vous entendez le bruit de moteur, mais... Ah ouais, attendez, mais le moteur, il déchire, quoi. Je sais pas si vous entendrez dans la vidéo, mais franchement, le moteur, il est abusé, hein. C'est un taxi custom, quoi. Le klaxon, il est pas custom, ok. Je vais essayer de tester de le mettre dans le garage ou aller au LS custom avec. On se retrouve là-bas. Ok, on est arrivé au LS custom, donc il y a vraiment beaucoup de personnes. Est-ce que je peux rentrer? Ah, il est fermé. Ok. A few moments later. Ok, on est revenu parce que tout à l'heure, je sais pas, il y a eu un bug bizarre. Il y a quelqu'un qui a dû tuner le mécano. Bon, allez, on y retourne. Cette fois-ci, la porte s'ouvre, donc je pense qu'on peut mettre le taxi. Quoi? C'est une blague, là? Non, mais... Sérieusement, il est où le mécano, là? Oh. Et il est customisable, non? Il semblait que le taxi normal, on pouvait le rentrer dans le S. Ben, lui, il y arrive, mais pas moi. Eh bien, je pouvais pas rentrer dans la S custom, j'ai décidé de voir si le taxi pouvait rentrer dans le garage, et non, il peut pas rentrer dans le garage, ok. Bon, on va essayer de retourner au LS custom, du coup. Cette fois-ci, dans un autre LS custom. Parce que, apparemment, c'est le bordel. Donc, le taxi ne peut pas rentrer dans le garage. Je m'en doutais bien. C'est un véhicule Pegasus en même temps. Mais j'ai fait un test, en fait le taxi peut être réparé par d'autres joueurs, par vos amis. Alors que c'est votre véhicule, mais comme c'est un véhicule Pegasus, tout le monde peut le rentrer. Donc c'est vraiment assez stylé. Donc on se retrouve au LS Custom. Ok, troisième tentative, le garage s'ouvre, et... Mais putain! Non mais attendez là, c'est pas possible, c'est une grosse blague. Bah pourquoi il veut pas prendre mon taxi, attendez, pourtant on peut custom un taxi normal, ça se passe comment? Attendez, je vais un peu attendre, au cas où. Ah! Enfin, oui. En fait, je crois que j'avais juste oublié en fait qu'il fallait un peu attendre parce que le taxi bug un peu. Ok,
Ok, donc ah tout ça pour ça, d'accord. On peut juste mettre des explosifs. Donc les jantes, la couleur mate et tout, apparemment c'est vraiment la couleur de base, le motif de base. On peut changer que l'explosif et le réparer. On peut pas le vendre et tout. Donc récapitulatif. Alors le taxi est vraiment stylé hein, pour un véhicule gratuit. C'est vraiment un véhicule bonus. Donc il est vraiment assez stylé. Il a une bonne maniabilité. Je me suis fait des virages. Il tenait la route. Il est juste nickel. Les jantes, la couleur, franchement, elle est vraiment belle. Et le moteur, il est amélioré. Donc il n'y a pas que le skin. Franchement, un bon véhicule, je trouve personnellement. Ça change du Tité. Donc on peut pas le mettre dans le garage ni le custom. Du moins, vous pourrez le réparer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la présentation du taxi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Rapace Gaming. Ciao, ciao.